Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Gameki. Mais on se retrouve aujourd'hui pour le quatrième épisode de Let's Go Pikachu. La dernière fois on était parti pour l'arène avec Pierre et on l'avait terminé. Non? Ah, je croyais que tu touchais de l'œil parce que je parlais trop fort. Non, ça va, tu parles pas trop fort, je me suis habitué, non, j'ai juste un jour plus rien, je suis fort. Faut pas hésiter à mettre un action de pouce bleu les gens, et comme j'ai dit la dernière fois on avait fini l'arène Pierre qui était la reine Roche avec la toute première, le tout premier badge de l'histoire. Et on voulait commencer cette aventure avec justement un truc particulier, c'est dans communication. Et c'est un cadeau mystère. Et c'est un cadeau à récupérer depuis la Pokéball Plus. Et les gens, on a attendu parce qu'on voulait faire une vidéo un peu plus spéciale en mettant en avant, voilà, on va voir mieux dans cette vidéo. Et là c'est simple, il suffit d'acheter ça. Il suffit, bah, c'est un peu cher quand même, mais ouais. Il suffit d'acheter la manette spéciale Pokémon qui est en forme de Pokéball, parce que c'est pas vraiment une Pokéball, c'est une manette surtout. Voilà. Et bah d'aller dans communication et de lancer. La communication et lancer un petit cadeau via la Pokéball Plus, et normalement on devrait avoir. Attention, si la batterie de votre console s'épuise ou si. Pendant la réception d'un cadeau, il est possible que ce cadeau ne puisse plus être réceptionné par la suite. Ça fait peur. Oui. 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 Ça fait presque peur. Ouais. Et là, t'as Mew qui disparaît. Non, on pleure. Est-ce que c'est bon? En tout cas, le fond est très joli. Oh là. Oh là 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 là. C'est mon Pokéball. C'est Mew. Oui. Mais du coup, tu vas pouvoir le mettre dans ta. Ah mais faut qu'il me suive. On a Mew quoi. Pokédex. Ah c'est un L. Ah, il est pas mal, hein. C'est un L, c'est pas mal, donc c'est un gros Mew. Donc numéro 151, vous voyez pas si il y a une tête, mais c'est le numéro dans le Pokédex 151. Voilà. Vous avez reçu un Mew, Mew Pokémon fabuleux. Et voilà. Et donc. On peut recevoir notre cadeau. On peut, voilà, voir. Ah, ça se trouve, vos Pokémon mystère, ok. Si, est-ce que ça se trouve, il donne un cadeau en ce moment? Non. Aucun cadeau. Mais non, et pour la sortie qui était. Voilà, non, c'est jamais. Donc il y aura des mots de passe, des cadeaux à avoir, voilà. Et des codes un peu comme dans tous les Pokémon. Faudrait être à l'affût de ça, on essaiera d'être à l'affût dessus. Oui. Et dès qu'il y aura des gros trucs mystères ou des events, on fera une vidéo, on vous montrera le Pokémon en question. On peut jouer avec un ami, et normalement, si je vais dans le sac, et que je regarde. Ah non, c'est pas dans le sac, c'est dans l'équipe. Et que je regarde, je mets à la place de. Bah, Nidoran femelle ou mâle. Alors Nidoking ou Nidoqueen? Nidoqueen. Ok. Alors faut que je fasse boîte Pokémon, donc je secoue ça. Il est niveau 2. Non, ah non, il a 2 PC, donc il est très nul. Mais c'est normal, il est niveau 1. Ah oui, mais en même temps il est niveau 1. On va l'utiliser, on va inclure dans l'équipe. Et on va le mettre à la place de Nidoran. Mal, comme ça tu l'auras. Comme ça je l'aurai. Ouais, on va le prendre parce que c'est quand même un Pokémon emblématique. Et puis voilà quoi, attends d'être dehors. Oh, on l'avait un petit peu. Ouais, t'as Mew qui est dessus. Ah, il est trop stylé. Donc voilà, t'as pas la Pokéball Plus, mais t'as Mew qui est dessus, ça te va? C'est pas mal. C'est pas mal. Donc tu vas pouvoir. Bah, tu l'utiliseras pas, de toute façon, on l'utilisera pas avant un bout de temps non. Parce que niveau 1 il va être très très nul. Je sais pas si on va trop l'utiliser dans le jeu parce que peut-être que ça va être un peu pété. Donc, on verra au fur et à mesure ce qu'on en fera. Nous, on va le garder dans l'équipe pour le monter de niveau, puisque c'est aussi le but de cette aventure. Donc voilà, vous savez comment avoir Mew. Désolé les gens, parce qu'on a regardé, on s'est renseigné, il n'y a aucun autre moyen de l'avoir pour le moment. Alors peut-être qu'il y aura des codes distribués pour des événements dans le futur. Pour l'instant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, à la sortie de Pokémon et quelques jours après, le seul moyen de l'avoir, c'est d'acheter la Pokéball Plus. C'est ça. Voilà. Ah ! Oh, mais il y a Meowth qui dort. Ce Pokémon est profondément endormi. Vu la situation, lancer une Pokéball ne marchera probablement pas. Bah c'est le Mew de la Team Rocket, ça se trouve. Ils sont dedans. Ah peut-être. Ils sont peut-être dedans. Et donc on va commencer à faire la grande... Ah mais du coup on va les voir, mais oui, au moins tu te feras plus attraper tout le temps. Ah, j'avais raison. Jessie. James. Non. Ah vas-y. Non, rien non plus par ici. Il y a peut-être plus loin. Ah, pas mal. Pas mal, hein. Dis donc, Marveux, on t'a jamais dit que c'était mal poli. Dis donc, Marveux, elle parle plus, tu sais, genre. Non, mais je peux pas, j'ai mon nez bouché. Ouais, c'est vrai. On t'a jamais dit que c'était mal poli d'écouter aux portes. Ah bah bravo, je croyais que Meowth c'était censé garder, monter la garde. Miaou ? Mais il parle normalement, Meowth. Il paraît qu'il y a des fossiles rares enterrés dans le coin. Mais bas les pattes, ils sont pour nous. Toi, tu prends tes clics et tes claques et tu t'arraches si tu veux pas te manger des claques. Justement. Ouais, on va trouver les fossiles. Et on va se faire tout plein de fric avec. C'est un plan en béton.
Oh, 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 j'ai un verre. Il y a presque cette voix-là. Hein. Ouais, c'est pas mal ce que tu faisais. Ouais, je sais. Ah, là, t'as secoué, mais... Attends, par contre, j'ai vu qu'il y avait un... C'est dommage qu'il y avait un racaillou XL et du coup, on l'a loupé. Il y avait un racaillou XL, il est parti. Oui, bah, il y en aura d'autres. Ouais, c'est un racaillou. Hein. J'ai vu une Pokéball ici. Ici. Ah, bah, il y a un racaillou. Ah, il est gros. Du coup, t'as un Mew, c'est complètement pété. Vous trouvez une potion. C'est bizarre d'avoir Mew dès le début quand même. Ouais, c'est bizarre. Mais bon, après, voilà, on peut comprendre que le fait d'avoir la Pokéball, ça rajoute quelque chose. Attends, j'ai disparu. Non, mais des Nosferati, il y en aura partout. Donc on va avoir. Mais ce qui est bien, c'est qu'on ne sera pas agressé tous les 10 mètres par des Pokémon. C'est vrai, parce que ça, c'est très énervant quand tu rentres dans des grottes. Oui, c'est un peu chiant. On peut le souligner. Oui, on peut le souligner. Alors, Ken le Scout veut se battre. Envoie Papillusion. Ah, donc c'est pas mal. Ça nous fait un peu XP, ça dépend quel niveau il est. Peut-être 10. Et donc moi j'envoie un. Allez, au moins 10 quand même. Niveau 7, c'est vraiment trop, elle ramasse. Hein. Bah, du coup, avec un petit éclair, ça va suffire, donc on peut y aller. En tout cas, faut pas hésiter à nous suivre, les gens, parce que tous les jours, vous le savez très bien, nous faisons ce let's play Pokémon intégralement à notre rythme. Donc c'est vrai que voilà, si vous voulez spoiler, c'est pas ici qu'il faudra le faire. Parce que, non, bah, nous on le fait tranquille, Emile. Je vais le répéter peut-être un peu au début pour vous expliquer, mais voilà, nous on est tranquille, même si on finit le jeu dans un mois, c'est pas grave. Nous on n'est pas là pour. Pour rusher, on est là pour profiter du jeu. Et en plus, on peut jouer à deux. Se rappeler les souvenirs. Bah, du coup, il monte niveau 3, monte niveau 4, monte niveau 5. Ah non, niveau 3. Tu m'as eu. Donne ton fric, petit. 80 Pokédollars. J'aime bien racketter les scouts. Tu raquettes plein de monde hein, dans Pokémon. Hein. Ah bah, t'es une gaillard. Hein. Oh, 5 Super Balls. C'est pas mal, hein. Ouais. Alors. Non. Parcours. Paras. Bon, allez, Paras, il est petit. Un petit Paras. Un bébé Paras. Taille mini, un Paras sauvage apparaît. Visez l'intérieur du cercle moyen. Mais... c'est pas un Paras, c'est un Onyx. Ah, c'est un métamorphe Paras déguisé en Onyx. Oh, niveau 10. Bah attends, comment ils peuvent être niveau 10 les personnages alors que... Vas-y, je t'attends. 1, 2... Non. 1. Non. Tant pis, je l'ai eu. Je vais pas l'avoir, il est jaune. Du coup, regardez, c'est pas moi qui ai le... Non, j'ai eu moi le petit son dans ma petit Joy-Con. À 105, c'est pas trop mal, du coup ça fait oh, la vache, un petit Mew, peu... Mew, Mew. Niveau 6. La vache, il est monté niveau 6. Oh, Roukoul. Ah, oh. Et Roukoul, c'est niveau 7, il me semble. Donc niveau 6, c'est cool, peut-être Roukoul des attaques. Roukoul monte niveau 7. Et... Déjà. Attends. Paras. Voilà. Bonjour Taille, Paras. Ah, c'est un S, c'est pas ici, c'est un S. La Pokéball quoi. En fait, c'est les records personnels. Non. Ah non. C'est les records personnels. Donc en fait, tu peux juste, même sans pour autant avoir des mini ou des maxi, tiens, on va le prendre quand même. Avoir des mini ou des maxi, t'as tes records personnels de taille minimale et de taille maximale de chaque Pokémon. Donc tu peux t'amuser juste à dire, moi je vais capturer les plus petits ou les plus gros. 1, 2, 3. Oh non, dommage. Pas un excellent. Ah là, c'était bien synchro. Hein. Ouais, c'était beau. Oh, j'en étais sûr. Oh, comment il nous a eu. 1, 2, 3. Mais quand même, c'est un excellent quand même, là. D'ailleurs, prends la Pokéball, tu vas recommencer à vivre, c'est ouf. Ah, c'est bien quand ça se fait. Ça fait un retour haptique et tout. C'est pas mal. T'es dague. Oui. C'est toi qui t'attends. Ah, niveau 100 d'XP, c'est pas mal. Oh là là, Mystère 14. Moi j'ai hâte de voir l'évolution de Mystère Shiny quand même, parce que bah, ça va être dans cette vidéo du coup, les gens, je pense. Bah Roukoul aussi. Après, je sais plus c'est quoi Roukoul. Poudre dodo. Non, on a déjà poudre dodo sur un autre Pokémon, on va pas le garder. Dommage du coup, Nidoran pour les fans de Nidoran Reno. Bah désolé pour vous. Peut-être dans un autre épisode. Ouais, de toute façon, avec tous les Pokémon qu'il y a, on. Mais Mew, on sera pas obligé de le prendre. On va juste peut-être le monter un peu, on le remettra après dans sa boîte. Mais pour l'épisode quand même, c'est quand même un épisode Mew. Ah non, on va quand même le garder dans. Je vais garder Mew derrière moi, c'est trop stylé. Ouais, mais je suis pas sûr qu'il va apprendre des attaques et tout. Ah oui. Ah, un Pokémon. Hop. Un petit combat. Ah, il y a la Team Rocket qui est à gauche là-bas. On Jesse, vous les voyez pas. James. La Team Rocket s'en va vers d'autres choses. C'est quoi leur début déjà? Pour le sauver la gloire, il y en a un. Ouais, tout le monde qui va dire, mais c'est ça qu'il faut dire. Ouais, je sais plus c'est quoi l'intro. Ah, Chetiflore, mais je veux même pas l'avoir. Chetiflore. C'est ton Pokémon. Chetiflore. Boosty Flore. Boosty Flore. Ampi Flore. Vas-y, attaque donc. Alors, peut-être que tu changes de Pokémon, toi. Ouais. Mais non, mais il monte de niveau. Après, non, parce qu'on va être dans une grotte roche, ça va être intéressant.
Tu n'es pas très efficace. Je ne suis pas très efficace. Croissance. Bah, il est gros. L'attaque. L'attaque ? Oula. L'attaque spéciale et l'attaque. Je vais faire une vive attaque et ça va être fini. Je vois que c'est bien de garder des attaques basiques. Le problème, c'est que là, t'as des attaques vertes sur ton air bizarre. Et du coup, bah, le problème, c'est que bah, dès que tu tombes sur un truc faible. Mais Roche, voilà. On aurait dû reprendre Roucoul. Non, Roche, c'est bon. Plante. Ah oui, c'est plante, Chitifleur. Non, mais bah, je garde Pikachu pour le let's play. Après, c'est vrai que je pourrais changer, mais. Dans les gros combats. Tu peux changer dans l'ordre. Ouais, mais dans les gros combats, je changerai. Oui, en gros, je le travaille partout, mais dans les combats. Mais voilà, tu changes. Bah, j'attends d'avoir un gros Pokémon qui me plaît. Genre d'avoir un Pokémon peut-être feu, sympa. Genre dragon feu quoi. Genre c'est la vache quoi. Ouais. Enfin shiny quoi, ouais genre ça quoi. Petit Pokémon quoi. Mais c'est vrai que les Pokémon feu sont hyper puissants. Et moi, enfin, non mais en gros l'objectif c'est ce qu'on a dit, hein. Tortank. Ah, Nidorina oui. Donc une deuxième évolution dans cette vidéo les gens. C'est la vidéo. Non deuxième, non c'était dans la vidéo. Non c'est la vidéo d'avant. Et vous, je n'ai rien dit. Vous avez tout oublié. Ah il est, ah, il est pas mal. Il est hein. Pas mal. Elle est pas mal, oui. C'est une femelle. Nidorina. Nidorina. Bah à ce moment-là, on la garde, Nidoqueen, et puis une fois qu'on a Nidoqueen, ouais, on fait la même chose avec Nidoking. Voilà, bah. Juste pour le Pokédex, le but c'est vraiment de monter nos Pokémon de niveau aussi. Tout simplement. Tout simplement. Alors. Continuons. Oh, il y a un truc pour descendre. Ah bah il est là, elle. Bah. Il était là-bas, James. Oui, bah Jessie est à droite. Mais c'est qu'il est rapide. Ah, faut les suivre. Y'a un truc pour descendre. Du coup, on s'est vraiment pas agressé, c'est marrant. Ah là là. Oui, bah juste par les gens quoi. Ouais, mais c'est bien. Ça, ouais. C'est des combats, ça t'évite de sortir ça, c'est bien. C'est bien ça. De pas se faire agresser. Bah, ouais. Ouais, c'est vachement bien. Ah, surtout dans les gras et dans les gros. Dans les grands. Bah, c'est révolutionnaire quoi. Un petit peu. Ouais, un petit parce peu. Parce que c'était quand même assez embêtant de. Ah, oh, un gros tas de morve. Un tas de morve, mais il est gros hein. Non, c'est un tas de morve. Sinon, mais il est gros. Si t'es gros, il serait pas avec gros tellement. Ah, du coup, on va exploser l'arène haut. Avec nos Pokémon plantes et avec Pikachu. Et... Ouais. Et un bizarre, on va l'exploser. Non, mais par contre, l'arène feu. Ouais. On va avoir trouvé les Pokémon mieux que ça. Hein. Tralala, ils sont nuls. Il est nul, mon air. Ouais, il est un peu nul. Il a rien d'attaque. J'utilise, même si ça sert à rien. Juste pour être bourrin. Ah du coup on est niveau 17 tous les deux. Tu m'as rattrapé un petit peu. Je suis meilleur que toi. Peut-être 64 points, c'est pas fou hein. Mew va passer niveau 8 peut-être. Non, il est déjà niveau 8. Ah oui, mon Pokémon est nul. Oh il pleure. Lui c'est Rémi Lintello. Il a tout calculé les strats et puis au final il a perdu tu vois. Ouais voilà. Ça sert à rien. Faut être un gros bourrin. Réveil. Réveil c'est bien. Ouais, parce que tu dois, quand tu t'endors là. Trousse de soin. Ah, un paras, on l'a eu. Je fais un tour hein, avant de. De suivre Jesse James. Parce que le but c'est quand même d'avancer aussi le jeu et d'avoir le maximum d'items et de Pokémon. Sachant que nous on pourra revenir hors vidéo sur ça quoi. Oui, voilà. Enfin, tu pourras. Bah, du coup, le repousse ça va être trop bizarre parce que du coup les Pokémon spawnent pas quoi. Bah, ouais. Ah, ou alors. C'est tellement utile le repousse. Bah, dans les... Ah, bah tiens, on va se faire un petit rouge en maxi, on va le prendre. On l'a pas pris encore. Non, on l'a pas pris encore. Bah voilà, j'attendais un peu spécial comme ça, c'est plus intéressant. Taille maxi. 1, 2, 3. Oh, il nous a feinté. 1, 2, 3. Non. Attends, 1, 2, 3. Oh là, il y a un loupé qu'il a eu. Non, toi tu m'as loupé. C'est moi qui l'ai lancé un peu plus tard. Ouais. Oh non! Attends, on va faire ce qu'on a fait du coup. Parce que c'est intéressant de l'avoir, on l'a pas encore. Regardez, si j'envoie. Ah, j'ai des Honor Balls parce que j'en ai acheté. Des Pokéballs. D'accord. Et là, regarde, lancé. Ah bah il est encore vert. Il est encore jaune, c'est bizarre. 1, 2, 3. Mais oh c'est beaucoup trop tôt. 1, 2, 3. Ah! On se fusionne en une seule Pokéball, là ça devrait être pas mal. Ah oui, parce que à deux, ça coûte plus cher. Mais ça tu gagnes plus cher. De points. Non, non, ça coûte plus cher, mais tout seul c'est super dur. J'ai attrapé un Papillusion, j'ai envoyé 10 Pokéballs. Mais non, parce qu'en fait là t'as le double Pokéball qui se fusionne, tu vois, oui. Donc je pense que t'as vraiment un truc qui rajoute. Ouais, 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 ouais. Niveau 18 et Mew niveau 9. Ah, Mew en lumière. Ah, mais attends, faut que t'ailles jusqu'au niveau 20 pour la prochaine arène. Hein. C'est niveau 20 la prochaine arène.
Non, pour les Pokémon échangés. C'est-à-dire que si on me passe un Pokémon qui est au-dessus, ouais, on avance trop. On avance trop, ouais. Ouais, mais en même temps, c'est trop simple à XP. Hein. Ouais, c'est hyper simple à XP. Bah, du coup, il faudra XP tes autres Pokémon, en fait. Racaillou, on s'en fout. Je vais faire le gamin, hein, ouais. Parce qu'on l'a pas fait. Non. Donc, faudrait savoir c'est quoi le Pokémon rare dans cette grotte. Il doit y avoir toujours un Pokémon un peu rare. Moi, je sais que c'était plus le bizarre dans la forêt. C'était le Pokémon le plus rare parce que j'ai regardé. Mais t'as pas les régions selon les Pokémon, tu peux pas les trouver selon les régions? Si, mais faut les croiser au moins une fois. Ah ouais. Férocinge, on l'a eu. D'ailleurs, Colossinge est assez stylé. Moi, j'aime bien Férocinge, je trouve qu'il est mignon. Ouais, j'aime bien aussi, ouais. Donc, c'est un type combat. Bah, moi, j'ai toujours fait mon Fullen parce que c'est le truc le plus puissant entre guillemets. Ouais, ouais, est-ce que t'as. Il te faudrait. Faudrait un truc. Qu'est-ce qu'il a, Florizo? Bah, poison. Poison, ce serait pas mal. Il casse combat. Enfin, c'est normal, donc voilà, pas de résistance. On gagne pas beaucoup d'XP. Hein. Ça, c'est sûr. En même temps, on est déjà bien au niveau. Ouais. Donc, des Pokédollars. Toujours des Pokéballs, bah, c'est là qu'on voit, c'est un peu comme Pokémon Go, il faut beaucoup de Pokéballs. Ouais, donc en fait, t'es pas obligé de les acheter, tu peux les. Je vais me perdre. Voilà! Elle spawnait pas comme ça. Il y en a qui ont dit, oui, esquivez pas les Pokémon. Bah si, parce que sinon, on peut faire que ça dans le let's play, quoi. Mew, il est stylé. Hein. Il passe devant toi, carrément. Ouais, il va trop vite. Est-ce que je... Ouais, je t'attaque. C'est le meuf. Oula, c'est plus grand que je croyais, ici. Super, merci, super phrase d'accroche. Ouais, merci, c'était très intéressant. On est content de t'avoir parlé. Myriam, la fillette, veut se battre. Myriam... Mélophée. Il est trop stylé. Ah ouais, j'adore les premiers Pokémon. Bah, ils sont tous stylés, quoi. Ouais. Bon, on va déglinguer les flux quand même. Hein. C'est parce qu'il est mignon qu'on va pas l'attaquer. Oh mince! Oh là là, tu vas endormir Mélophée. De toute façon, il est mort, je pense. Je sais pas pourquoi j'ai cliqué. Oh là là là. Mais voilà. Bam! Oh, il s'est vengé sur toi. Ouais. Trop chambé. Bon, il a plus de rapidité, Pikachu, donc je vais finir la partie. Il te faudra une attaque un peu plus puissante. Ouais, il ouais. Te faudrait. Qu'est-ce que tu vas avoir? Bah, ça dépend. Tranche-herbe, c'est beaucoup plus puissant. Ah, tranche-herbe, c'est pas mal, ouais. Je crois que c'est ça que tu vas avoir. Mmh, et t'as les feuilles qui font. Oui, ouais, c'est pas mal ça. Voilà, j'ai imité les. Ouais, ouais, les feuilles qui perforent le nid. Des Pokéballs, donc c'est bien, il faut savoir aussi garder des Pokéballs. Bah, non, mais c'est vrai. Continuons dans cette direction où est partie la Team Rocket. Bah, là. Mais tu vas arrêter de nous suivre, oui. Salut. On n'est pas passé par là. Tu veux aller voir ce que c'était? Ouais. Oh là là, je me souviens pas de ça. Oh. Oh oh. Un Mélophée. Mélophée. C'est le Pokémon un peu rare, non? C'est possible. 1, 2, 3. Attends, je refais. 1, 2, 3. Ah non. Ah, trop tard, mais on a fait une synchro quand même. Ah. Oui, yes. Hé, Mélophée, je pense que tu vas prendre dessus à bout d'un moment aussi. Oui, oui, bah j'aime bien. De toute façon, Kim va prendre tous les Pokémon roses. Bah pourquoi? Mew, Rondoudou, Mélophée, Métamorphe. Je ne joue qu'avec des Pokémon roses. En plus, il est type fée du coup. Vous voyez, je suis sorti d'un peu de l'écran. Oui. C'est l'émotion. La Pokéball. Donc Mélophée et un item bonus. Donc on avait tout intérêt à venir ici. Bah oui. Ah, une pépite, c'est bien. À revendre, ça fait de l'argent. En fait, on a pas mal d'argent. Ouais, mais trop, c'est jamais assez. Surtout pour acheter des Pokéballs, ouais. Parce qu'il faut mieux ce stuff à mort en Pokéball. Du donc coup, je pense qu'on va retourner vite, à l'autre échelle. Ah, tu penses que c'était pas la même? Ah, bah non, c'était pas la même du tout. Il y avait Jessie à côté, on va y aller parce que je pense qu'on a le. Ah, bah y'a un Mélophée! Ah, bah il est à moitié rare. Il est pas rare du tout. Tu vas l'avoir aussi, je pense. C'est pas un exclu. Ouais. Ah. Voilà. Racaillou. Qu'est-ce que c'est que ces trucs-là? Ah oh, bah la Team Rocket! Donc prends la Pokéball. Super bon! Ça fait monter un niveau! Ah oui? Mais.
c'est vrai que t'as pas joué à Pokémon. Mais si, quand même, il y avait. Bah ouais, mais j'utilisais pas Super Moon. Mais il fait gagner, ça fait gagner un niveau à n'importe quel Pokémon. Fuite, 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 on s'en fiche. Mais non, faut pas fuir. Eh bah si. Nous fuyons. Nous fuyons. On est trop au niveau, de toute façon. Donc toi, t'es là. Et donc, on va attaquer lui. Ouais. Oh oh. La Team Rocket, c'est nous, les voleurs de Pokémon. Ah oh. Ah, c'est beau. C'est joli. C'est trop vintage. C'est très joli. C'est joli. Mais ouais. Sbire de la Team Rocket. Ah bah, en fait, c'est largement au-dessus que Ouche Ouche de la Team Skull. Hein. Bah, 40 000 fois, c'est beaucoup plus dark. Ouche Ouche. Oh mon c'est dieu. Trop stylé. Ah, donc on est vraiment des... On découvre ah vraiment... mais j'ai accré à mes poudres dans tout. C'est ce qu'on voulait faire les gens, c'est on découvre vraiment, c'est pas... il n'y a pas de surjeu, c'est... on s'est pas spoil du tout, donc quand on regarde pas les bandes annonces et tous les différents let's play, leaks et gameplay qu'on peut trouver sur internet. Et bah c'est différent. Bah du coup quand tu vois une animation grenade, tu fais ah mais c'est le R de la Team Rocket. Oh énorme, c'est trop stylé. On l'a juste explosé. Ah Mystère niveau 15, bientôt Ortide. Ortide Shine. Non, je t'ai dit c'est 22, je crois qu'il y a quelqu'un qui nous a dit 22. Ah bon? Je crois. Bah peut-être un jour alors. On a eu un Mélofé, on a trouvé ouais, un super bonbon, sbire de la Team Rocket. Donc cette droite est assez intéressante. Je me souviens pas d'avoir ces différentes qualités, alors peut-être que... Ça a été rajouté. c'est dur à les éviter. Bah non, mais avec le super bonbon et puis les Mélofé, c'est bien ça. J'aime bien les Mélofé. Donc à gauche. À gauche non, en haut. En haut. Oh là là, mais il est mort sa grotte. On est déjà passé en haut. Mais il m'en est pas, on n'a pas continué. Ah oui. Et il y a une. Allez, un shiny. Est-ce que de loin il me. Ouais. non, tu fais pas esquive. J'étais là pour explorer la grotte. Non, je fais mes courses. Mais toi, elle va à l'école. Je suis perdu. Ouais, va à l'école, retourne à l'école, gamin. Johnny, le gamin, avec un t-shirt à Fico quand même. Avec quoi? Un t-shirt Aspico. 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 J'ai rien compris ce que t'as dit. Avec un t-shirt Aspico quand même. Oui, mais c'est bon, j'ai compris. Avec un t-shirt Aspico, oui. Voilà, t'as compris? Double pied. Double feet. Prends ça dans la face, espèce de limace. Tablette. Quoi? Tu vas t'endormir? Non. C'est là que tu vas t'endormir. Non, mais je suis un peu malade. Tu trouves que mon combat est pas passionnant? Non, c'est ce que tu dis qui est pas passionnant. C'est parce que je suis un peu malade, alors j'ai un peu une tête de déterré. Oui, un petit peu. Bon, ça c'est toujours. Tu rappelles que tu vas jouer à Fortnite après. Hein. Ouais, Fortnite. Alors, vous avez battu Johnny le gamin. Perdre, là, c'est trop nul. Ouais, mais celui-là. Le dialogue d'un Pokémon, ça a toujours été waouh. Assez haut niveau. Niveau élevé, quoi. Ah, bah tiens. Ah, oh, c'est un montagnard, il va regarder un caillou. Bah, tu l'as esquive. Non, je vais chercher, je veux juste ça. Une perle. Ah, bah c'est bien, ça coûte cher. Ok, mais pense qu'au fric, quoi. Mais non, parce qu'en vrai, j'ai dépensé énormément et je me suis dit, j'ai plus rien. Et heureusement, j'ai vendu le truc. On fait parce que c'est bien. Non, mais parce que c'est intéressant. Mais je m'adapte au dialogue de Pokémon, donc... Mais non, mais on fait les différents combats parce que c'est bien. Marcos, oh, les traficantes. On fait parce que c'est bien. Pourquoi tu rigoles? Parce que tu dis des trucs incroyablement bêtes. Ah non, mais on fait les combats parce que c'est intéressant. Oui, parce que c'est vrai que comme t'as. Mais non, mais parce que comme t'as pas du tout de combats en dehors des combats eux-mêmes, t'as plus de combats contre. T'as pas de combats, mais Guillaume, ils enfoncent un peu là. Mais non, mais les captures, y'a plus de combats, donc du coup, ça manque un peu presque. C'est vrai que je peux comprendre que certains aient dit c'est dommage que ce soit que comme Pokémon Go. Parce que du coup, t'as plus le côté je m'amuse à utiliser mes attaques. T'es vraiment obligé de faire des combats, et comme t'as pas un nombre de combats illimité, peut-être après, hein, c'est un truc qu'ils vont rajouter. Oui, peut-être. Peut-être. Mais c'est vrai que là pour l'instant, du coup, t'es obligé de faire tous les petits sbires de team. Et mon Foilian, je le fais un jour. Non, bah t'as qu'à être plus forte. Allez. Ah oui, pardon, c'est à moi. Là, tu fais pas puisque il est mort. Mais je sais, c'est mais c'est nul, je peux même rien faire. Ça sert à rien. Bah si, t'as un Mew. T'es la maîtresse de Mew. Ok, c'est toi qui t'en charge. T'es comme Lily avec Cosmo. Ouais, c'est ça. Donc tu sers à rien, mais tu portes un Pokémon légendaire. C'est pas Cosmo, c'est Cosmo. Cosmo, c'est le petit robot, tu sais, qui... Ah oui, ouais. Je vois pas. Mew niveau 11 et Mew no gain... Ah, Météor. Wow. J'ai dit, elle a pris aucune attaque, ce guignol. Ah, on gagne un peu plus d'argent sur les plus vieux. On va attaquer que des vieux. Oh mon dieu. Et lui, il est bizarre.
C'est celui qui nous a arnaqué. Oh, tu as une belle collection de Pokéball, tu devrais revenir voir si ton stock augmente, commence à s'épuiser. Pourquoi tu veux nous arnaquer encore? Non, parce qu'il en donne direct. Ah, ou il en vend, ça se trouve, ouais. Il en vend peut-être moins cher. Ah, c'est des contrefaçons, c'est des Pokéballs de contrefaçon. En plastique. Ah, bon, oh, Miaous! Miaous? 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 Il parle, hein. Miaouu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 
Non, c'est une Pokéball ça. Putain, c'est Voltaire, regarde. Ben, on va faire un petit double pied. C'est les meilleures attaques, c'est Sol parce que c'est un type électrique. Mais il n'y en a pas. Poudre toxique. Ouais, mais nul ma poudre toxique. S'il explose, ça pourrait être dommage. Si oh, ça va. Est-ce que tu sais, Electrode et Voltorb, ils s'explosent. Ils sacrifient. Ah oui, c'est vrai. Et ils font des dégâts à tous tes Pokémon. Ah, oui. Mais là, c'est bon. Salut tous. C'est good. C'est vrai qu'on gagne que dalle avec les combats. Bah, ah, Magnéti, il y a un deuxième. Oh, il est trop choupi. Il est trop mignon. Je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait avoir. Qu'est-ce que t'aimerais bien avoir comme Pokémon Shiny? Si tu devais en choisir un pour les prochains qu'on débloquerait dans les Pokémon 150 premiers. Ce qui serait cool, c'est Ponyta, parce que Ponyta, il aura les flammes bleues. Ouais. C'est super joli, bah Ponyta, ça la mèche. Pas mal, c'est la mèche. Attends, je réfléchis, je me suis même. Qu'est-ce qui est vraiment stylé en Shiny? Rien à bah, quoi. Abra. Je suis pas sûr. Non, Shiny, non, il est pas si incroyable que ça. Hein. Bah, Evoli. Il est gris. Ouais, mais Evoli, ce sera que moi qui l'aurai. Non, moi je peux l'avoir aussi. Ah, je oui, pense. C'est vrai. Mais plus tard. Ouais, bon, cool. Atterrissage, donc ça va être bon. Peut-être. Garde les anciennes. Non, c'est bien atterrissage. C'est quoi atterrissage? Vol. Le lanceur atterrit, se repose, restaure jusqu'à la moitié de ses PV max. Bouf. Bouf. Comme on a dit, on est pas strat. Je préfère cruel. Ouais, cruel, c'est pas mal. Pourquoi il pleure tout le temps? C'est. Un faible. Ok, on peut partager chacun sien comme ça, pas de jaloux. Yes! Bah, Kabutops, ça. Vous voulez prendre le fossile dôme? Bah oui. Vous obtenez le fossile dôme. Et il faut marcher, c'est ça, hein? Pour le défossiliser. Faut faire quoi déjà pour le défossiliser? Faut l'amener au professeur. Ah bon? Ouais. Il doit y avoir une Pokéball au bout. Non, rien. Vite! Non! Mais aide-moi! Fonce fort dedans pour les stones. Voilà, c'est ça, comme ça je peux passer. Hop, merci. Ah! La team rocket s'envole vers notre chaîne! Elle est plat! Ah, c'est trop bien de voir la team rocket! En beau quoi! C'est à toi! Pas si vite! Ce fossile est la propriété de la team rocket! Mais comment t'as fait pour arriver ici avant nous? Nous sommes la team rocket! Et je suis Jessie! Et moi, James! Et moi, Miaous! Miaous! Et ce fossile, il y a notre nom dessus! Enfin, c'est comme si, allons le récupérer! La team rocket s'envole vers d'autres cieux! On va faire ça tout le long du dessin. Du coup, oh, ah, ils jouent à deux contre nous. Jessie, ah, ils sont stylés. Hein. Ouais. Jessie, la team rocket. Ah bon, et Smogo. Smogo. Pikachu. Smogo, il est quelle couleur en shiny? Il est vert. Il a beau. Il est vert aussi. Il est vert un peu aussi, je crois. Bah les messieurs qui ont la même couleur, là toi. Ouais, du coup, ça cible. Va être ah, si, vas-y, attaque. Effet vampigraine à ce moment-là. Ah, c'est moi qui joue. Oh, ah, comme ils sont deux. Oh, c'est abusé. Ah, c'est sale. Genre, ils ont même pas fait l'effort, tu sais. Comme ça, à deux, c'est moi qui joue. Ah, comme ça, je ah, bah, comme ça, t'es, ouais. Au revoir, Smogo. Qui fait de poudre toxique et tout, c'est chiant. Ah, il est trop mignon. J'aime beaucoup Smogo aussi. C'est vrai que je crois que c'est un Pokémon préféré. La première extension. Mais non, parce que je l'aime beaucoup. Enfin, je sais pas, je trouve que. Ouais. Ouais, il est pas mal. Contrairement, par exemple, dans la même catégorie à Abo ou Gros Tadmorb. Ou Tadmorb. Je trouve que le Smogo, je sais pas, il est bien, il est rond. Il est classe, mais. Oh la vache. Ah, c'est pas mal l'illustration. C'est super beau l'animation. L'animation, ouf. Illustration. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Mais... Ah, j'ai visé Smogo. Oui. Attends, alors, c'est comme ça, c'est un test. Est-ce que ça redirige? Non, non. Ah, ouais. Si, ça redirige. Ah oui, quand même. Oh, la blague. C'est très bon. Ah, la blague. Il cherche à empoisonner. Et tu joues pas? Bah non. Je peux pas. Non, mais oh. Taquine. Ouais. Ah, du coup, c'est un peu nul ça. Enfin, ce n'est que mon avis, mais c'est un peu nul d'être à deux joueurs et d'un coup, paf, t'es à un joueur parce que en fait, t'as ouais, deux Pokémon en face. Pokémon, et, ouais. Alors que tout le monde, tu joues à deux Pokémon contre ouais. un. C'est très bizarre. C'est pas grave, il y a des petites imperfections, mais c'est normal, hein, tant comme pis. Tous les jeux. Et du coup, on a battu Jessie et James. Ce mioche a gagné 1152 Pokédollars, pas mal. Hein. La Team Rocket, vitesse de la lumière. Ah, et Pikachu, Soukou. Il est content d'avoir battu la Team Rocket. Tu vois, Pikachu n'est pas du tout impressionné.
Mais qu'est-ce qu'il a, Pikachu? Bah, par la Team Rocket. Ah. Et bah, c'est bon. Regarde, je touche, tiens, regarde, je touche là. Hey! Tape ma 5. Voilà, jamais mon Pikachu. T'as essayé qu'il évolue ou pas? Bah non, mais attends, je viens juste de commencer. Tu me déçois. Donc on va sortir de la grotte et puis on va terminer là-dessus. Ouais, on aura fait toute la grotte, on aura croisé la Team Rocket et on aura eu Mew. Voilà, et on va s'arrêter là. Donc là, je pense que on est bien. Ouais. Je pense qu'on est... Ah, il y a une petite Pokéball bonus. En tout cas, on espère que ça vous plaît toujours. 5 Pokéball, parce que de toute façon, on est rendu... Je voulais secouer la Pokéball, c'est pas ça. On est rendu... On est rendu... Là. Bah, bientôt à Azuria. Azuria sera la ville de Misty, donc Ondine. Voilà. Donc ça. On fera probablement la. S'il se passe rien avant, on fera probablement l'arène dans le prochain épisode. Dans le prochain épisode. Voilà. Voilà. Donc, ça va aller assez vite, hein. Ça va être un let's play où va se passer plein de trucs. Après, il y aura toute une phase où il faudra quand même capturer des Pokémon, oui. Faire le Safari Park, enfin les différents trucs. Je sais pas s'il y a le Safari Park. Peut-être pas, hein, dans le premier. Je me rappelle. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et commentaires. Et on vous dit à bientôt dans une prochaine vidéo de Game et Game. Allez, salut!